Bonjour, j'ai aimé ce livre. Erwin Panofsky, IDEA, contribution à l'histoire du concept. L'auteur est héritier des Lumières, d'une culture encyclopédique. Son centre d'intérêt est la Renaissance et la figure de Dürer, symbole même de toutes les synthèses. L'histoire de l'art comme histoire de l'esprit, expression d'une culture. Panofsky est hanté par la recherche du sens conceptuel de l'œuvre d'art. Platon refuse l'art et le condamne, car il lui échappe à la réflexion et constitue une menace. Les idées sont immanentes à l'esprit divin. L'art corrige et perfectionne, la beauté devient grâce divine. Les critères platoniciens du vrai et du faux sont ennemis de l'art. L'idéa est création de nouvelles formes, étincelles arrachées à l'esprit divin. Erwin Panofsky, IDEA, contribution à l'histoire du concept. Lisez-le. Merci.